Le 18e concours de Pearls, organisé par la Banque humanitaire du Palais, dont les bénéfices sont utilisés pour les plus défavorisés, se prépare dans la bonne humeur et l'enthousiasme. Nouvelle édition, nouveau thème. Eh bien, le 18e concours de puzzle va être géant, puisqu'on va partir sur le continent africain avec le puzzle, avec des grands décors, avec des animaux africains, des personnages, des figurants, plein d'animations. Et voilà, donc ce sera vraiment quelque chose de formidable, avec une vraie pirogue aussi africaine, avec trois Africains qui vont être là, le grand marabout, Mamadou et Mamadur, qui viennent exprès justement d'Afrique, du Zibou, exactement, voilà, près du lac Titicoco, voilà. Hein. Et puis donc ils vont venir pour accueillir le public. Alors toujours avec des scènes gigantesques. Ah tout à fait, du grand décor, du grand costume, tout le monde adore. Surtout à notre époque actuelle, avec la société qui va de mal en pis, eh bien on va passer un moment, une bonne journée pour partager tout simplement, et puis aussi les bénéfices pour l'aide sociale de la Banque humanitaire. Il ne faut pas oublier non plus. Hein. Ne pas oublier que le but de ce Pearls est d'aider les plus défavorisés en leur donnant des chèques carburant ou les aider pour la cantine des enfants, par exemple. Ça va pas aller en s'arrangeant, l'aide sociale certainement, donc on va certainement amplifier nos aides sous différentes formes, les mêmes et puis peut-être d'autres qui seront rajoutées. On va voir ça ensemble au début de l'année, mais c'est un grand soutien pour toute la région locale et aussi Pays de Loire. Alors le puzzle, c'est avant tout, je dirais, une journée festive avec des cadeaux, des tirages au sort, etc. Ah mais c'est complètement fou, complètement fou. Il y aura un super tirage au sort avec la personne qui va gagner une nuit pour deux personnes dans une cabane dans les branches, et le petit déjeuner inclus. Et ben, oui. Il y aura le futuroscope pour toute la famille, voilà, il y aura la rue de la cloche, il y aura plein de choses. Et avec un challenge extraordinaire pour les championnes de France. Ah, les championnes de France, on en parle tous les ans, c'est vraiment du grand visuel, hein, du grand spectacle. Elles seront là, bien sûr, et elles auront aussi un challenge, puisqu'elles auront un an après pour réaliser un puzzle de 13 500 pièces. Un an, donc on les reverra un an après, et j'espère bien qu'on montrera le puzzle terminé. Les pearls et cadeaux sont offerts par les partenaires de la Banque humanitaire. De ce fait, le concours rapporte environ 6 000 euros de gains. Dernière date d'inscription, le vendredi 20 janvier pour ceux qui veulent participer au concours. Le concours se déroule par équipe de 2 avec une participation de 15 euros par équipe. Si vous voulez participer en tant que spectateur, rendez-vous au complexe sportif du Palais dimanche 22 janvier à partir de 14 h.